le choix des thèmes, c'est nous essentiellement qui l'avons fait, pour donner à l'ensemble une certaine cohérence. Mais en même temps, on ne l'a pas fait tout seul. On en a discuté pendant des années. C'est un projet de longue durée, avec des amis de différents pays et de différents horizons, jusqu'à ce que progressivement, ça prenne forme. Ensuite, quand on a eu l'accord avec la maison d'édition et qu'on s'est mis d'accord sur un projet ambitieux, peut-être trop ambitieux, mais on a réussi à le terminer, c'est l'essentiel, on a tout de suite constitué un groupe de complices et d'amis en même temps, originaires de plusieurs pays, tous transnationaux, avec lesquels on a réfléchi de manière plus précise, non seulement sur les thèmes, mais sur les auteurs. Et c'est avec ceux-là, avec les gens que nous connaissions déjà d'avance, et puis d'autres ensuite avec qui on a été mis en contact, qu'on a constitué en quelque sorte notre communauté. Alors, les deux tiers, je dirais, au départ, on les connaissait au départ, un tiers, on ne les connaissait pas, mais ils nous ont été recommandés par d'autres qu'on connaissait bien, si bien qu'il y a eu, si vous voulez, un effet à la fois de boule de neige et en même temps de complicité, puisque l'énorme majorité de nos auteurs sont des auteurs qui ne se limitent pas à un pays, mais qui, par leur pratique, mais aussi par leur vie, par leur activité, sont dans plusieurs pays, chez eux à la fois, donc qui tous, finalement, ressentent ce que c'est que l'Europe. On fait une expérience concrète de ce que l'Europe. Et ça commence pour nous deux. Thomas et moi, on est franco-allemands. Nos enfants, nos petits-enfants sont nécessairement européens plus que nous. Ils ne disent plus « moi je suis français, je suis allemand ou je suis italien ». Non, ils se sentent partie prenante des deux à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, fait l'originalité de notre livre. On refuse de jouer une échelle contre l'autre. Il n'y a pas d'opposition entre l'échelle nationale et l'échelle européenne, l'échelle globale, ou bien les échelles locales. Et c'est comme ça qu'on a joué, si vous voulez, en essayant de constituer cette communauté avec énormément d'échanges entre nous, ce qui donne, je crois, une certaine cohérence d'approche dans le livre. Non pas dans les conséquences, dans les conclusions. Chaque auteur est resté totalement libre. Mais il y avait une parenté dans la manière de poser les questions et de se situer face au passé.